Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes mardi 9 novembre 2021, il est 18h45. Aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de problèmes de commentaires sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc c'est pas nouveau, il y a des problèmes de commentaires qui disparaissent ou qui n'apparaissent pas depuis quelques années, mais j'ai l'impression qu'en ce moment c'est encore pire qu'avant. Vous avez peut-être remarqué, donc je ne sais pas trop comment ça se passe sur les autres chaînes, mais j'ai l'impression, des fois je vais sur des chaînes, c'est marqué qu'il y a 6 commentaires, j'en vois que 3 apparaître. J'ai l'impression que quasiment toutes mes vidéos sont touchées, que ce soit sur Cacahuète ou sur Cacahuète Gaming. 90% des commentaires n'apparaissent pas. Donc, que ce soit des commentaires que vous postez sur mes vidéos ou que ce soit mes commentaires à moi. Alors oui, bon, il y a des réglages pour certaines vidéos, certains types de vidéos à cause de la loi COPPA où on est obligé de choisir si c'est des vidéos qui peuvent intéresser les plus jeunes, si c'est des vidéos qu'il faut réserver aux plus 18 ans, etc. Donc à chaque vidéo que l'on fait, il faut choisir la bonne catégorie. Et selon certaines catégories, des fois, ça désactive complètement les commentaires. Ils ne peuvent ne pas apparaître du tout. Néanmoins, sur des vidéos dont les réglages sont sur standard et qu'il ne devrait pas y avoir de problème, des commentaires qui devraient apparaître n'apparaissent pas. J'ai cherché dans les paramètres, je n'ai pas trouvé dans les commentaires en attente de réponse. Je n'ai pas trouvé non plus dans les spams, donc je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que ça merde un petit peu au niveau de YouTube de ce côté-là. Même des commentaires que je mets moi-même, que je réponds des commentaires des fois, et mes réponses n'apparaissent pas. Alors, néanmoins, quand vous postez des commentaires et qu'ils disparaissent quasiment instantanément de la part YouTube, je peux quand même les voir dans l'onglet notification. C'est-à-dire que en haut de mon interface, j'ai un onglet notification, donc je peux lire vos commentaires. Par exemple, donc, pour une de mes dernières vidéos sur la chaîne Cacahuète, donc j'ai vu que pour l'unboxing, donc j'ai je parle un peu vite, j'ai du mal à trouver les mots. J'ai vu ton commentaire, Fabien, il n'y a pas de problème, tout ça, donc ça fait plaisir. Il est apparu dans les notifications en haut, mais il n'apparaît pas dans les commentaires en bas, donc je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, j'ai pas pu répondre directement. Voilà, et puis il y a aussi des commentaires à moi qui apparaissent pas. Je sais plus sur quelle vidéo j'ai répondu à un moment donné, ben mon commentaire n'y est pas, donc je sais pas, ça déconne un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu dommage et je n'ai pas de solution à ce problème-là et je n'ai pas d'explication non plus. Donc est-ce que d'autres youtubeurs en parlent ou pas, je ne sais pas, mais voilà, ça déconne un petit peu au niveau du système des commentaires. Sinon, petite autre news qui n'a pas trop de rapport, voilà, c'est possible qu'on ait quelques perturbations au niveau de l'upload des vidéos, tout ça, et de notre connexion Internet pendant quelques jours, le temps que tout se mette en place. On a le technicien qui passera demain en début d'après-midi pour faire les branchements et créer une nouvelle prise pour qu'on puisse avoir la fibre. Alors, nous, dans notre région, c'est Orange qui a le monopole de la fibre, donc ils ont installé la fibre partout en ville. Je ne suis pas chez Orange, moi je suis chez Bouygues. Et donc, j'ai un technicien qui doit passer demain. Donc, comme nous, c'est le bâtiment est assez vieux, donc il y avait aucune installation, il n'y avait rien de fait pour le raccordement. Donc du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe. D'après certains échos que j'ai eu, certains disent que parfois, lorsqu'on passe d'un ADSL classique à la fibre, des fois, il se peut qu'il y ait quelques perturbations, que ça déconne un petit peu les premiers jours. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, normalement, ça devrait être une amélioration et un plus. Mais bon, voilà, c'est possible qu'on ait quelques perturbations et que ça soit pas très très opti au Optimiste, début. optimiste pour Pas que ça optimiste. puisse exister. Donc voilà, je tenais à vous prévenir aussi. Donc si on a des soucis, qu'on a pas trop internet en ce moment, donc ça sera lié à ça. Donc voilà. Mais a priori, c'est plutôt une bonne chose qu'on passe à la fibre, notamment pour les lives sur la chaîne Cacahuète Gaming. Donc pour Cacahuète Gaming, qu'est-ce que ça changera la fibre? Mais par exemple, je pourrais proposer peut-être des lives avec une qualité un petit peu plus élevée que du 720p. Peut-être, soyons fous, du 1080p, qui sait.
pour certains jeux qui se jouent uniquement en multijoueur et qui laguaient à mort pendant que je faisais des lives, du coup je pourrais les faire en 720p et un temps fluide. Il y a certains jeux, j'ai abandonné l'idée d'y jouer en réseau comme PUBG parce que c'était le jeu n'est pas optimisé et en plus si je fais du direct en fait ben, ça lag à mort et c'est injouable. Donc j'espère qu'avec la fibre je pourrai retester PUBG, donc on verra. On verra donc sur Cacahuète Gaming, donc ça sera forcément un mieux. Donc je pourrais peut-être vous proposer donc une meilleure fluidité pour les directs et une meilleure qualité d'image. Donc pourquoi pas passer du 720p au 1080p. Pour la chaîne Cacahuète, ça permettrait pour certains emplois de vidéos qui sont pas toujours évidents, ça permettrait donc d'uploader les vidéos plus vite. Des fois ça peut mettre facile une journée voire 2 jours pour uploader certaines vidéos. Donc, pourtant, on est un VDSL, mais c'est abusé, quoi. Donc, c'est sûr que ce soit pour uploader des vidéos ou autre, donc le confort sera mieux. Également, lorsque je dois télécharger des fois des patchs, des mises à jour pour des jeux sur la PS4, des fois, c'est super long, quoi. Des fois, il faut quasiment une demi-journée. Donc, voilà. Donc, dans l'absolu, ça ne sera que du mieux. Donc, voilà pour ces petites news. Sinon, niveau santé, donc moi, c'est toujours comme ça. Ça va, ça vient. J'ai toujours des moments, à certains jours, où j'ai des moments avec des fortes douleurs. Mais bon, je ne peux pas y faire grand-chose. Donc, je dois aller à l'hôpital tous les 3 mois pour faire le bilan. C'est tout. Donc, je vous souhaite à tous et on vous souhaite à tous une bonne semaine. Et à très bientôt. Salut, salut!